En Jordanie, les réactions à l'assassinat de Nahed Attar. Cet écrivain a été tué ce dimanche à l'entrée d'un tribunal où il devait être jugé pour la publication d'une caricature considérée comme blasphématoire. Sa famille et ses proches sont en colère. Ils assurent que Nahed Attar avait reçu des menaces de mort et qu'il avait demandé une protection aux autorités sans pour autant recevoir de réponse. Le gouvernement a promis que l'auteur présumé de ce crime serait puni. Commentaire dans les rues d'Amman, la capitale jordanienne. Si Nahed Attar avait commis une faute, alors c'était à la justice de se prononcer, dit cet homme. C'est aux autorités qu'il appartenait de le punir s'il avait effectivement offensé Dieu. Mais personne ne peut décider de se faire justice ainsi en tirant sur quelqu'un. De confession chrétienne, Nahed Attar était âgé de 56 ans. En août, il avait publié sur sa page Facebook une caricature dont il n'est pas l'auteur, un dessin censé se moquer des djihadistes. Cela lui valait d'être poursuivi pour insulte à l'islam.